Bonjour, Romain. On va expliquer aujourd'hui un chapitre qui s'appelle trigonométrie. C'est un chapitre totalement nouvel. يعني مش احنا قبل بس نعرف ايش قال عمر معنا قبل مش شايفينه ابدا لازم ننتبه له ما هو صعب هاي كثير في دي فورمولا صغار لازم ننتبهه تو دابور مثل ما تعلمنا بدرس تيوريم دو بيثاغورس المتر الماضي قلنا الي ابليكي سولمون دون ان تريانغ ريكتان نفس الشيء للتريجونومتري الفورمولات تبعوله ما بيطبقوا للين تريجونومتري كو دون ان تريانغ ريكتان مو بس غير هيك ان يبقى دو تريجونومتري باغ اكزومبل ينو دون ABC est un triangle rectangle AA. Je vais donner un petit rappel avant de commencer à appliquer les formules. Pour l'angle C, par exemple, on a trois côtés dans ce triangle. Pour l'angle C, il y a deux côtés qui sont attachés à cet angle-là, qui sont AC et CB. On les appelle les côtés adjacents. On va comme à la ici. Et AB, le côté à la fin, les bouches, nous jouons le nom AB. Alors, il y a deux côtés adjacents. Ouais, il y a un acquis de l'isma hypoténuse. Tu l'as marqué. Il y a un côté de l'angle, le triangle rectangle B. Ou j'ai un angle droit, l'isma hypoténuse. Nous, ça, la tenue entre l'angle B. Pour l'angle B, il y a deux côtés qui sont attachés. Ce sont BC et BA. Ce sont deux côtés adjacents. Ouais, il y a un isma hypoténuse. Ouais, il y a un isma côté adjacent. Oui, il y a un côté AC, isma côté chauffe à un opposé. Alors, on est à chaque fois, on est dans le formule. عندنا ثلاثة كلمات لازم نتعلمهم بهالشكل كوسينوس سيمبول تبعي سي او اس او ثلاث احرف سينوس اس دي ام من جوا بريميرات تانجان تي ام الفورمول سو سون ا ريتونير باتشا تو دابور كوسينوس سي كوتي ادجاسان سور هيبو تانوس Par exemple, si moi j'ai le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Sinus, c'est le côté opposé, plutôt les charapins, on la rote, on les interrompt, sur l'hypoténuse. Ou tangent, côté opposé sur côté adjacent. Par exemple, et ça veut dire pas bon, on a sur cet triangle. Par exemple, si nous demandons de trouver cosinus de l'angle C, par exemple. Angle C, le côté adjacent à l'angle C. Regardez. Pour l'angle C, le côté adjacent est l'acquis de l'hypoténuse. Je vais A, C. Sur quoi? Sur l'hypoténuse BC. C'est un côté adjacent. A, C. Sur l'hypoténuse BC. Et ça vient d'être sinus de l'angle C. Sinus de l'angle C, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. L'angle C, sur le côté opposé à l'aile bouge, il y a AB. Par exemple, AB sur l'hypoténuse BC. Moussa. Tangente de l'angle C, c'est le côté opposé à l'angle C sur le côté adjacent. Le côté opposé à l'angle C, il y a AB, ou le côté adjacent à qui je vais essayer l'hypoténuse, il y a CA. Par exemple, AB sur AC. Par exemple, on est dans la phase de la vie, tout le monde est sur la formule, on est en توفير بالشغل يعني ميثود سريع مثلا dans un triangle rectangle on dit les deux angles sont complémentaires يعني B plus C est A 90 de plus لأنه إذا الـ A 90 هي كلها 180 قد إيه بقى لهول الاثنين يبقى لهم 90 بهيك وضع إذا جبنا الكوسينوس دو سي كأنه قلنا سينوس دو لان إت إيكال كوسينوس دو لوتر إذا جبنا الكوسينوس دو سي كأنه جبنا شو بالنسبة للـ B سينوس دو بي وإذا جبنا السينوس دو سي شو كأنه جبنا بالنسبة للـ B Le cosinus de B, c'est vraiment un giro belle forme. Et donc, puisque les deux angles sont complémentaires, sinus de B égale cosinus de C égale Jouet, ou cosinus de C égale sinus de B égale Jouet. Tangent, tangent de l'un fois tangent de l'autre égale à 1. À tout le bas, tangent de B fois tangent de C, à tout le tartine Jouet va être 1. Alors, vous tapez A avec l'exercice du baguement. Hamechot, exemple numérique à l'échelle de l'un. C'est un triangle ABC rectangle en A. Donc, on sait la mesure de ces trois côtés. Tout d'abord, il commence à trouver le cosinus de B. C'est un travail sur l'angle B. Cosinus de B, c'est le côté adjacent sur hypoténuse. Pour l'angle B, le côté adjacent sur AB, à quelle mesure ça va 4. Sur l'hypoténuse, AB, 5. Par exemple, 4 sur 5, on peut diviser si on veut, c'est 0,8. Nous sommes. Sinus de B.
c'est le côté opposé. Sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Chouette, chouette, t'as pas d'oubou. C'est AC sur BC, c'est 3 sur 5. C'est côté, alors, opposé sur l'hypoténuse. C'est 3 sur 5 égale à 0,6. On complète avec la tangente. Tangente, c'est côté opposé sur côté adjacent. Côté opposé à l'angle B, c'est 3 sur côté adjacent, c'est 3. 3 sur 4, 0,60. Alors, on a trouvé cosinus, sinus et tangente de l'angle B. On peut ou bien travailler sinus sur cosinus de C et tangente de C par la même manière. C'est-à-dire, cosinus de C, c'est côté adjacent sur l'hypoténuse. Pour l'angle C, le côté adjacent, c'est 3. L'hypoténuse, c'est 5. 3 sur 5, c'est 0,6. Sinus de C, côté opposé sur l'hypoténuse, c'est côté opposé à l'angle C, c'est AB, c'est 4, sur l'hypoténuse, c'est 5. 4 sur 5, c'est 0,8. Et pour la tangente de C, c'est côté opposé sur côté adjacent. Alors, côté opposé à l'angle C, c'est 4, côté adjacent, c'est 3. 4 sur 3. Pour ne pas en diviser par 4 sur 3, c'est un nombre irrationnel et un nombre illogique. Alors, on a remarqué quelque chose de spécial ici qu'on a expliqué là. Regardez, cosinus de B, c'est 0,8. Sinus de C, c'est 0,8. Cosinus de C, c'est 0,6. Sinus de B, c'est 0,6. Et tangente de B fois tangente de C, ça veut dire 3 sur 4 fois 4 sur 3, deux rapports inversés, la réponse c'est combien c'est 1. Alors, on peut dire ou bien on travaille comme ça, ou on dit, puisque B plus C égale à 90 degrés, donc cosinus de B égale sinus de C égale 0,8. Sinus de C égale cosinus de B égale 0,6. Sorry. Sinus de B égale cosinus de C égale 0,6. Tangente de B fois tangente de C égale à 1. C'est-à-dire 3 sur 4 directement multiplié par 4 sur 3 égale à 1. On a trouvé alors tangente de C. C'est sans faire de calcul, on peut directement trouver les trois lignes trigonométriques.